Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour Don't Starve épisode 13 et bon, comme vous pouvez le voir tout de suite, quelques changements. J'ai passé une dizaine de jours facilement, hein, j'ai fait un peu dans mon coin. Déjà la saison, hein, bon bah on est arrivé à la saison suivante, celle où ça souffle, hein, les tornades. Les dodos se sont multipliés, mais je sais pas, il y a une perte de production là d'un coup. Bon, on verra. Hein. Et bien sûr, vous pouvez voir. En fait, j'avais mis les planches hein, ici, et en fait, j'ai quand même décalé. J'ai décalé, en fait, j'ai refait une ligne de cobblestone et une ligne de plancher hein, tout autour de mon camp. À part ici, voilà, hein, ici, donc avec du bol. Il y a un point d'eau qui va popper ici si je le fais pas. Mais bon, faut que j'ouvre les dodos, tout ça, donc. Et j'ai coupé assez de bois. J'ai coupé assez de bois, j'ai passé 10 jours à faire que ça, hein, couper du bois. Donc voilà. Ensuite, on s'était resté sur le plan du... On va aller dans le volcan, faire péter des trucs. Alors j'ai un coffre, hein. J'ai ramené ce genre de conneries. C'était sur une autre île. Et donc voilà, il y a des trucs à faire péter. Mais avant tout, je voulais me faire un... Donc je me suis fait aussi... Une armure de coquillage anti-poison hein. Et je m'étais dit voilà, il faut, je l'avais dit, faut que je fasse un je vais prendre tellement de conneries sur moi il faut que je fasse un canon, on va y arriver. Et pour le canon, donc voilà, pour le canon c'est où? Boat cannon, il me faut 6 noix de coco. Donc là je viens de couper pas mal de bois dont des arbres des cocotiers. Donc on va arrêter les conneries. En tout cas on va arrêter les conneries sur notre île. Et on va aller sur l'île d'à côté. Mais il faut prendre le bateau pour ça. Donc on va aller sur cette île et on va couper du palmier. Bon alors le but inavoué bien sûr c'est que y a des monstres palmiers qui sortent et qu'on bastonne un peu même si j'ai un casque à 33%. Bon 31% pardon. Et bon et forcément j'ai usé pas mal de... Ah ouais c'est vrai qu'il y avait le bordel ici. Et bah d'ailleurs il y en avait ici déjà des vivants. J'ai dû faire pas mal de haches, hein, de haches en or, donc du coup, voilà. Tout mon or est parti. Ouais, ici, il y avait eu un bordel. Hein. On s'en souvient. Mais c'est pas ici que j'avais pété mon bateau, au même endroit hein, d'ailleurs. Que j'avais pété. On m'a pété, hein, je l'ai pas fait tout seul. Bon, on veut de la noix de coco, voilà. Après logiquement si on tue des palmiers qui sont réveillés, des hunts, logiquement ils donnent des noix de coco hein, si je dis pas de conneries. Bon, après s'il y a juste à taper de l'arbre comme ça et que ça se réveille pas c'est aussi bien. Ah c'est aussi bien, voilà le but c'était d'avoir un peu de baston aussi. Parce que pendant cette dizaine de jours j'ai eu deux attaques de chiens et bon, bah, tout s'est bien passé hein. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Voilà, bah j'ai mes 6 noix de coco. Alors est-ce que je continuerai pas? Je viens de faire que de ça, hein, couper de l'arbre et je meurs v'là à couper de l'arbre. Bon, je vous ai évité hein, ce calvaire parce que franchement, il y avait que ça à faire quoi. Et j'aurais vraiment meublé pendant un épisode complet à faire que ça, voire plus quoi. Donc c'est bien gentil mais à un moment bon, il me faut de la pierre, il y en a plein par terre, allons-y. Bon j'ai embarqué ma lumière parce qu'à un moment il m'est arrivé une petite mésaventure dans mon camp. Léger hein, mais là on va dire que c'est vraiment de ma faute.
J'ai voulu recharger mon casque de lumière avec les lucioles, bah, les bioluminescences. Malheureusement, j'avais plus de place sur moi. Donc en fait, il a largué les tous les. J'ai rechargé un coup mon casque de lumière. Et ma petite guerrière a largué tout le reste au sol. Mais les bioluminescences, c'est pas comme les lucioles, hein, apparemment. Apparemment. Ça, il n'y a pas moyen de les rechoper au sol, quoi. Donc du coup. Non, mais non. Du coup, tout dans le cul, donc bon, bah j'en ai retrouvé, hein, entre deux. Mais j'étais un peu dégoûté parce que j'étais en galère de lumière, justement. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas sortir cette fameuse lanterne que j'avais fait, mais dont je me suis jamais servi. Bon voilà, on a le petit délire, on peut la poser au sol. Mais voilà, le petit délire de la poser au sol, des fois on fait des conneries. On largue la pelle alors que on voulait larguer la lumière. Ou alors on ramasse les bûches et en fait on ramasse la lumière. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Et bien sûr, il y avait un serpent aussi, hein, que j'avais pas vu. Mais bon, par chance, c'était pas un serpent empoisonneur. Et du coup, bah, ça va quoi, ça s'est bien passé. J'ai 40 pierres, tout pile. J'ai pas fait exprès. On va s'arrêter là. Et bon, bah, déception, pas de baston. 12 noix de coco d'affilée, bon. On va dire que ça va aller, quoi. On va s'arrêter là. Hein. Je vais replanter un peu chez moi, mais. Le but, c'est vraiment de faire un canon. Bon, est-ce que je garde sur moi ce volcano staff ou je le mets dans un qu'un œil ou dans mon bateau? Personne ne sait. Si, peut-être que des gens ont une idée, mais bon, moi là tout de suite, je sais pas. Bah ouais. Bah, mets au moins ton casque. On arrive. J'ai refait aussi un deuxième paratonnerre parce que j'étais en train de couper de l'arbre, bien sûr. Vous imaginez bien la foudre, le feu, le bordel. Donc à un moment, je me suis dit stop, stop les conneries. Non, mais ça aussi en fait. Hein. Ok, impeccable. J'ai fait un peu de rangement dans mes coffres, mais je sais toujours pas où ça se trouve. Non, c'est là. Alors, du bois, on en a trop. Ah, mais c'est bon, j'ai assez. J'allais dire, j'ai même pas regardé si j'avais assez de poudre à canon, mais si, c'est bon. Parce que là, poudre à canon, il faut des œufs. Un bordel, quoi, hein, des œufs pourris. Donc, ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Il est où? Il est là. Joie. Joie et volupté. On avait qu'on reposerait quelques palmiers sur notre île. C'est un peu léger. Je veux pas les poser trop près de mon camp non plus, hein, parce que si ça se réveille. Je commence à en avoir pas mal, hein. J'en ai replanté un peu, mais. Et bien sûr, j'ai fait comme d'habitude l'écologie, hein, couper des arbres pour en replanter autant, voire plus. Bon, on va dire que cette petite lumière, c'était bien. C'était bien, ça m'a dépanné. Mais je largue. Ensuite, une voile, je crois elle est à 60%, 50%, ça devrait aller pour aller jusqu'au volcan. Ou alors est-ce que j'en refais une tout de suite, en peau de serpent? Ça va encore prendre une plage dans mon bateau. Ah ouais, il faut que je prenne ça aussi. Ça va être un problème. Bon, où est-ce que j'ai foutu ça?
c'est ici. Il va me falloir du bambou. Parce qu'il y a une voile que je n'ai pas fait. Ah bah si, je l'ai fait. Ah bah je l'ai fait. Alors du coup, j'ai bien envie de faire du bambou. Du dodo. Du dodo. Ah, ils sont bien. Ils ont suivi la... le morceau de glace, hein, au sol. Bon, on va dire que c'est bon la voile, espérons. À un moment, faudra que je me démerde sur une île, quoi. Non, j'ai mis tout en bas. Décidément, je m'en sors pas avec ce rangement. Bon. La canaille. Tu as un peu de place, une place. Bon, je pars avec beaucoup de choses, hein, mais c'est toujours dans l'intention de me dire, voilà, si je croise un gros monstre, je suis équipé. Bon, on va dire que c'est bon, j'en laisse une à la maison. C'est pas grave. Bon, j'ai pris qu'une seule boulette. Alors non, non pas le radeau. Oh, joli. Joli saut de cabri. ça c'est ici. 58% la voile, ouais, ça devrait tenir. Et on va se tremper un peu, on va dire. Alors, tu pars, mais tu sais même pas où. Si, bah si, c'est bon. C'est par là. Hein. Effectivement, c'est par là le bordel. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, j'allais dire, je vais à une vitesse, mais oui, j'ai le vent dans le dos. C'est cool. Je suis d'accord. Ah mais non, 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 ça, je suis... Non, en revanche, non. Ah, ah. Logiquement, non. J'évite tout. Hein. C'est beau. Ah, un espadon. Un espadon, bah ouais, bah viens. Je refuse de passer à côté de toi sans te tuer. Une bouteille. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai encore une bouteille à la mer quelque part, moi. C'est où? Ici. Ouais, c'est un peu loin. Et le... Il est où ce con de... De poulpe. Je sais plus du tout. Ah, ici. Ouais, il est ici. Parce qu'à un moment, il va falloir y penser aussi à ça. C'est pour ça aussi que j'ai deux... Non, mais non. On va en mettre une, d'ailleurs, dans le bateau. Mais stop! Stop! Il suffit! C'est pour ça que j'ai deux cannes à pêche, parce que je compte bien... pêcher les tombes. La baleine toujours pas. Et bon, et la canne à pêche, ça part assez vite, hein, niveau pourcentage, donc j'ai refait un filet aussi, mais bon, j'en ai 6 encore des bioluminescences. Normalement c'est bon. Bon, alors qu'est-ce que je laisse dans mon bateau? Rien. Comme ça, il est bien. Un petit coup de réparation. Et on y va. On y va. Hein. Let's go. J'aurais peut-être pu prendre une épée en plus. Mais bon, j'avais déjà pas beaucoup de place. Alors... qu'est-ce qu'on fait? On tente tout de suite avec une petite coconade. Alors, petite coconade. Hop, viens Nakanoï, viens, déconne pas, viens. Pouf, et, ah ouais, j'allais dire ça m'a donné de la pierre, de l'arnaque, mais non. Ah ouais, mais en revanche, je suis plein. Alors non, on a vu, hein, on a vu la coconade.
Bon, ça donne pas mal d'obsidienne, hein, comme prévu, hein. Et de la pierre, hein, donc ouais, pierre flint. Quand j'ai dit il y a des chances que ça donne ça, voilà, j'étais bon. Bon, en revanche, on va arrêter les conneries. Je suis trempé, j'avais pas vu. Allez, vas-y, mais pareil, n'a qu'un oeil, casse-toi. N'a qu'un oeil, déconne pas. Ouf. Anakin, il gère, il y a des points de vie. Il est pas bien quand même, il est en feu, mais... J'ai dit, on voit pas grand chose, mais en fait... c'est la nuit, hein, c'est juste que... j'étais avec ma torche et... Bon, ok, hein, on a vu. De l'obsidienne à gogo, ok, très bien, mais... Ensuite... Ensuite, bah, masse de dragons et on va essayer de chat. C'est vrai que j'avais fait une forêt ici. On va essayer de choper du cœur de dragon parce qu'en fait, voilà, l'obsidienne, ça va pas poser de problème. Ah là, j'ai de quoi faire péter quelques rochers, donc... Il me faut de l'or. Bon, j'ai un peu cramé tous mes doublons, hein, que j'avais à la maison. Il m'en reste un peu, mais vraiment pas beaucoup. Pas le choix, hein. J'avais pas le choix. Alors, en revanche, j'ai pas pris de quoi faire à manger et je m'étais dit, bah c'est bon, je vais avoir des viandes de monstres. Mais j'ai pas chopé d'oiseaux ici. J'ai pas chopé d'oiseaux pour ici. Et donc, niveau bouffe... Ah ben non. Ouais, il y a de l'arbre. Bah, c'est pas des grands arbres, mais... Je vais encore devoir couper de l'arbre pour avoir de la bouffe, non. Fait chier. Est-ce que mon frigo, il est mort, mon frigo. Ouais, voilà. Ah, les 8 graines ont tenu. Les 8 graines ont tenu, mais ça va pourrir. Ouais, j'ai la cage, mais j'ai pas l'oiseau. C'est con. Alors ça, c'est bien con. Et j'ai pas de coffre, ici. J'ai pas de coffre, machin. Avec ça, hop, les obsidiennes, on va les claquer ici. On a un croque-pot, hein. On a un croque-pot, mais on a rien à mettre dedans, et ça, c'est fort dommage ça. Alors, bon bah, pas le choix. Parce que, ouais, je comptais un peu sur le café, mais pas de café. Ouais, mais mes arbres sont pas assez grands, ça me donne pas de la bouffe. Donc, c'est pas la peine. J'avais un parapluie ici, il y a combien? 20%. Ensuite une épée. Ouais, j'avais dit j'aurais dû prendre une deuxième épée, mais... Elle est créée, elle est là. Et bon. Ouais, merci. Ouais, c'est en même temps je voulais faire un truc. Ma santé mentale, je vais bastonner donc ça devrait aller, mais quand même. Bon, j'ai encore une coconine, mais on va larguer tout ça pour l'instant. C'est bon, de l'obsidienne on en a, il nous manque des cœurs de dragon. Donc c'est parti à la chasse au dragon, mais pas du tout par là.
Et c'est con, hein. Il aurait fallu penser à un oiseau, ça aurait fait du bien. Parce que là, je vais avoir un problème. Je vais me faire des... Faire des... Des lasagnes de monstres. Bonjour! Bonjour, y'a quelqu'un? Non? À un moment, il va me falloir de la bouffe quand même. Et c'est bizarre, hein, c'est. Le café. Hein. Ah, ça y est. Le café n'est pas productif. Cette année, le café. Il est dégueulasse. Ah, belle esquive. Tiens, 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 prends tout dans ton nez. Ah! Ah, bah très bien! Oh, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Déjà un cœur. Salut pote! Ouais ouais, je sais, t'es toujours dans ta galère. On y pensera. On y pensera. Des pourritures, alors ça peut être intéressant si je vois des pourritures à droite à gauche. Pour le café. On va essayer hein, de fertiliser le café. Voir ce que ça peut donner. Parce que tout est naze. Hein. En revanche, les cactus, c'est bon, hein, c'est revenu. Ça pose pas de problème. Ouais, je peux pas fertiliser. Il y a une période pour le café. Ah du coup, on va se balader un peu moins longtemps. J'aurais dû prendre de la bouffe. Il va falloir que je ramène des baies ici. Un champ de baies. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Même pas une pépite d'or. Une petite. Pas beaucoup de dragons. Hein. Je suis passé à côté d'un nid, mais. Non. Toc toc. Qui est là? Ah, c'est pauvre. C'est vraiment pauvre en dragon. Bon, en fait, on a 3 nids de dragon ici. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, autour du mec, là, il y en a pas mal. 10, 11, c'est tout, quoi. Ouais, donc c'est assez pauvre. Ça résume bien. Mon pote Nakanoï a pris une petite épine dans le cul. Ça l'a réveillé, c'est bien. Il était temps parce que là, ça se bouge un peu le fion quoi. Bon alors, s'il vous plaît. J'ai déjà eu un cœur, je suis content, mais. C'est un peu de la bouffe que je voulais aussi. Je peux pas fertiliser ces trucs, c'est quand même fou ce café. Mes arbres grandissent, j'aurai des œufs, des trucs comme ça en coupant, mais bon. Si je compte là-dessus. Bon, admettons. 4 viandes de monstre. J'en sais rien, ça va me donner de la merde. Si ça me donne de la merde, je suis obligé de sortir. Des lasagnes de monstre, donc ça va. C'est pas génial, mais ça va. Voyons voir si ça va. Oh non, c'est pas génial du tout. Ah, ma santé mentale du coup, après un petit coup dans la tronche. Bon alors. J'ai le cœur mais j'ai pas pris les obsidiennes. Voyons voir ce qu'on peut faire. Rien. Machette, hache. Obsidian spears, bon non. Volcano Staff. On pourrait en refaire un deuxième. On en a un, c'est bon. Obsidienne armure. Bah, ça fout le feu, ça. De souvenir, quand les ennemis tapent l'obsidienne armure, ça fout le feu. Ah, mais du coup, rien, quoi.
que dalle. Parce qu'à part une machette et une hache, on peut être une lance aussi. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas se créer les trois trucs ici et se barrer. Mais non, non, je peux pas, j'ai pas assez de bouffe. On va déjà se faire une hache, on a une hache à 3%, elle va péter. Donc, petite hache. Petite lumière rouge. Mais on est reparti à la chasse au couillon. Bon, là-bas, on a dit... Ah ouais, j'en viens. J'en viens, mais j'y retourne. Café. Le café, s'il vous plaît. Non, mais non. Ça ne veut pas. Fait chier. C'est pas mal de rechoper au moins un deuxième cœur, dire de se faire la machette. Ou peut-être la lance. Hein. Et des. Voilà. Qu'est-ce que. Ah ouais. J'ai un peu chaud, je suis juste à côté du volcan. Mais la lance, bon. Est-ce qu'elle est mieux que l'épée? C'est pas sûr. Et comme des épées, ben. Je sais plus quoi en foutre. La lance fait un effet de lumière, hein, comme toutes ces armes avec de l'obsidienne, une sorte de charge dessus avec un... On voit que ça chauffe, hein, mais... Ah non, mais il faut vraiment que je me barre, il n'y a pas un dragon qui sort. Ah mais si, doucement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette... J'ai rien dit. Agression. Ils sont sortis en trombe d'un coup, là. Coup de sang. Ah mais c'est pas bien les mecs. Une viande, ok. Hein. On est d'accord pour la viande, mais... Bon, cette baston nous remonte toujours. Hein. Je sais pas comment je ferais avec un autre personnage. Viens ici, toi, arrête de courir dans tous les sens. Voilà, sortez en masse, c'est très bien. Ah non, ça c'était pas prévu. Bon, arrête de me bourrer, toi. C'est mon tour. Ah mais non, j'avais dit c'est mon tour. Salaud. Petit frère. Oh, mais le cœur, j'ai eu du bol. Faut le dire. Hop, je suis là. Parce que je vais me refaire des lasagnes de monstres, mais je vais me remettre en galère santé mentale en mangeant ces trucs. Il y a quelques... Je suis à combien? 20? Ouais. Non, pas trop près. Pas trop près, on a dit. Ah mais non, ça non plus, pas trop près. On veut s'approcher de rien dans ce volcan. Alors, là-bas. Quoique, mais je suis un connard. Je suis un gros connard. Il y a les araignées. Il y a les araignées. Ça va me donner les viandes de monstre, mais bon. Un oiseau, hein. Bon alors du coup, peut-être sortir, aller chercher un oiseau. Ah ouais, si on va faire ça. Tiens, une pépite. C'est vrai que j'ai pas pris mon or. Je vais essayer de choper... alors combien il faut de toiles? Ah ouais, non. Il faut 4 toiles, je crois, pour avoir le piège à oiseau. Ouais, 4. Donc ça devient problématique parce que... J'aurais jamais 4 toiles, hein, je pense.
en tapant de l'araignée. Et oh, vous déconnez là. La foudre ici. Ton pote. Ok, hein. Ok. Bon, après, voilà. Je m'attendais pas à choper du cœur de dragon à tout va, on l'a vu, hein. C'est léger. Hein. Fort léger. Alors, je me fais. Je me refais des lasagnes de monstres. On croise les doigts pour que les arbres poussent. Je coupe et chope des bananes et des conneries. Parce qu'on a vu, ça redonne quoi 40 ? À tout péter, ça redonne 40. Qu'est-ce que... Ah ouais, j'ai faim. Bah ouais, bah ça arrive. C'est pourri, mais ça arrive. Mais... Mon croque-pot. Mais merde. Bon, ça me redonne, ça me redonne 38. Ah, putain, mais vous déconnez. Hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais... C'est quand même mon croque-pot qui vole, et ça, je vais en avoir besoin. Du charbon. Ah, mais merde. Bon, qu'est-ce qu'il me faut pour un croque-pot? 6 de charbon. C'est la folie. Ça, c'est ok. Alors, ouais, non, mais... prends le marteau. Ils vont me redonner des trucs en pétant. J'aurais pas dû faire autant de pierres. Ok. 2 de charbon. J'ai 2 de charbon. Alors. Où sont ces conneries à charbon? Là au-dessus, il y en a. Ah, connerie sur connerie, hein, comme d'habitude. Mais je... C'est vrai que j'ai pas pensé au détail de la foudre qui pourrait tomber dans mon camp, ici, dans les volcans. Un beau détail qui peut foutre vite la merde. Bon, là, en l'occurrence, ça va, mais... fait chier, quoi. Alors, donne-moi... Donne-moi mon attirail, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Ah. Ah ça. Ah, j'ai mon cœur qui s'est levé parce que je regardais pas du tout où je marchais. En fait, je regardais l'inventaire en bas et... je me suis dit, il m'arrive un gros truc sur la gueule, j'ai pas vu. Non, c'est juste un petit cactus de merde, mais voilà. Il y a un géant, je ne sursaute pas, je gère, et là, je gère. Mais là, un petit cactus, s'il n'y a plus de bonhomme. On avait commencé un truc. Ah ouais, mais ouais, faut que je fasse... alors, mais... Ah, entre les deux cactus. Toujours jouer dangereusement. Donc, pourquoi... Ah ouais... Le revoilà. De nouveau, frais et dispo. Bon, maintenant. Ma hache d'obsidienne que je viens de faire. Voilà, bousillé. Un petit œuf. Alors, un petit œuf, c'est bien. Il m'en faut plus. Je vois que dalle. Alors, s'il y a du serpent empoisonné qui sort, on est mal. D'ailleurs. Quand on parle du loup. Est-ce qu'on a eu quelque chose de bien? Oh, que dalle. On voit rien. On voit rien. Je me suis fait une belle petite forêt, hein. Bien dense, hein. Même pas un œuf. Ah, merde. Pas une banane, que dalle. Si, j'ai un œuf, hein. Vous l'avez vu, mais... Un seul, quoi. Ah. Allez. Ça va pas suffire. Ça va jamais suffire. Et non, encore... Mais donnez-moi, les mecs, donnez-moi. Donnez. 7. Je
me refais des lasagnes de monstre, c'est un peu con. Allez, pousse, poussez, bande d'arbres à la con là. Je vous ai tous planté en même temps, c'est pas normal. Vous devriez pousser en même temps. Oh, des belles lasagnes de monstre, je m'y attendais pas. Ah ça, on perd énormément en santé mentale apparemment avec ces conneries. Bon bah du coup, rebaston. Bah ouais, mais je viens de manger et il me met le message, ouais. Ça fait un petit bail que j'ai pas mangé, mais tu déconnes ou quoi? Ah ouais, mais si, j'avais dit mes araignées. Mes araignées. Et les araignées, c'est la journée, ça va être bien. Alors est-ce que le plan a marché avec les... Ah oui, c'est là. Et ouais, il n'a pas grandi fortement. Et bon, et j'imagine que quand je ne vis pas dedans... Allez, venez. Quand je vis pas dans le volcan, rien n'est actif. Hein. Ce serait logique. Oh ouais, non mais de la belle viande de monstre, on va être content. Hein. Ah ouais, super, génial. Bon, viens ici, n'a qu'un oeil, j'ai besoin de toi. Tu vas prendre des trucs, non. La torche, là, une belle torche. Ça aussi. Ça aussi, tu vas te rendre utile parce que là ça devient n'importe quoi. J'ai gardé une coconut sur moi, bon. Protection, vite. Et rebaston. Allez, venez. N'a qu'un oeil, viens pas foutre ta merde. Bon, deux toiles. Après, je pourrais péter ce nid, mais je me dis, il est bien dans le volcan, je l'ai ramené. Ma santé mentale est remontée. Ah, qu'est-ce qu'on a? C'est justement toi qu'on cherchait. Non, mais non. Ah, n'a qu'un oeil, tiens. C'est cadeau, c'est pour moi un petit coup d'épée. Eh, crache ta merde, toi. Viens ici, toi. Au lieu de courir. Comme un damné. Ah, ma technique ne marche pas toujours. Hein. Ah, encore un petit coup à n'a qu'un oeil. Hein. Le dommage collatéral. Allez, viens, toi. Non, mais... Voilà. C'est bien, toutes ces viandes de monstres, mais... Non. Un cœur. Ah, ils veulent pas. Ce qui est normal. On donne pas son cœur à n'importe qui. C'est bien, enchaînement. Pas trop d'enchaînement, s'il vous plaît. Non, mon pote n'a qu'un oeil, non. Il n'a rien fait. Je lui remets un coup quand même. Bon, t'as fait des conneries. T'as dû faire des conneries pour que je te mette un coup. C'est sûr. Bon, de nouveau. Ah. C'est pas fini. De nouveau. On a faim. Eh ben. On a entendu des drôles de bruits, mais ouais, c'est ça. On sait pas, hein, on sait pas bien les... Ces dragons, là, ça sort, ça vient. 10 points d'estomac. Je voulais me faire de l'araignée, mais c'est pas le moment. Alors, est-ce qu'on peut... Cactus Spike. Elle est bien celle-là. J'avais jamais testé, hein. Je me suis dit il faut y aller. Ça va, j'ai pas trop pris non plus. C'est pas le moment hein, de faire ça comme d'habitude, mais... j'ai eu une belle pointe, hein. Belle pointe. Ça fait une lance. Bon, on se refait des lasagnes de monstres. Génial. C'est du bonheur. Ah, j'aurais dû mettre un petit bâton. Ah merde, je vais tester ça après. Avec un petit bâton pour voir. 3 viandes de monstre, un petit bâton. Si ça me fait des brochettes, c'est du génie. Hein, mais ça me fait de la merde. Ouais.
Ah là, il y en a plein. Il y en a plein, ça va bien me donner des œufs, des conneries. Voilà, un œuf, très bien. On va s'en sortir, on va pouvoir se faire des boulettes et respirer un petit peu. Et banane, banane. Banane. Parfait. Oui, bah oui, bah t'es en souffrance. N'en fais pas trop, ça va se voir. Ok, allez. On va déjà se faire des boulettes avant de tester le mon plan là. Ah mais toi t'es plein. Les coconuts, on a dit qu'on laissait ça ici. On va manger ça tout de suite. Ah oui, bah oui. Mais je me sens beaucoup mieux. Je pensais pas que ça me redonnerait autant, mais c'est bien. Dit-il, hein, le mec il bouffe. Ah non, non, ça en revanche. Le mec il bouffe 10 boulettes par épisode, mais il sait toujours pas ce que ça redonne en estomac. Bon, cette forêt, un plan sur le long terme, mais ça paye, hein. Ça commence à payer. J'ai beaucoup trop de conneries. Avoir un stock de bois maintenant que j'en ai plus besoin. Limite là je mets un petit bâton, je sais que ça va me faire... Ça va me faire mes fameuses brochettes, mais ça redonne pas énormément. Et on n'a plus d'arbres adéquats à couper. Il n'y a plus de grands. Qu'on fait de la place et on replante pour un futur. Pleine lune, très bien. Voilà, de nouveau de la jungle bien dense. Hein. On n'a pas un grand parterre. On essaye d'optimiser la place. C'est un peu la merde quand on coupe, mais bon. On s'en sort. On a entendu un pouf. Il y a un arbre qui a poussé d'un coup. Il est là. À l'affût d'arbres qui poussent. Ah, c'est une tristesse. Ah, oui, bah impeccable. Voilà, mets ton parapluie. Et refaisons des boulettes. Et on sera pas mal. Bon, ça va marcher qu'un temps hein, cette solution là, mais hop. On va dire qu'on a trop de bois. Donc on va déjà refaire un coffre. On va larguer ça et ce sera très bien parce que la pointe là, très intéressant. C'est pas mal quoi, je... Disons que si c'est un drop 100% avec le cactus à chaque fois, c'est cool. Hein. Bon, il faut aller fighter du cactus. Dit comme ça, voilà, sorti de son contexte, il faut aller taper du cactus. Ça a l'air bizarre. Hein. Et voilà. J'ai encore découvert un truc. Bon, le truc, c'est que je sais pas. Voilà, faudrait que je teste. Je tape un dragon avec un. Avec mon épée. Je crois que ça donne. En 4 ou 5 fou... en 4 ou 5 coups, j'en tue un. Et on va tester. Alors, viens ici. 4. 4, tout le monde a compté 4. On est tous d'accord. 4 coups avec l'épée. On va tenter avec le. La pique. Le cactus. Alors venez. Je sais que j'en ai tué pas mal, mais. Mais venez quand même. Ouais, j'allais dire. Ah mais non! Moi j'ai pas.
Mais c'est quoi cette connerie? Ma bite est dans la main. Mais c'est pas une arme. C'est une arme de gay. Ah merde. Mais ah, je me suis fait ok. Non mais c'est pour créer des trucs. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon. Mais il y avait un pourcentage, 100%. Je me suis dit, bon, ben, on peut faire quelque chose avec. On peut taper. Mais non. J'ai mis 5 coups, ça a même pas tué le dragon et ça m'a pété dans les mains. En même temps, je m'attendais à quoi avec une épine de... de cactus. Et ils sont beaucoup trop nombreux. C'est géré, mais on a plus de... on a plus de... d'armes bientôt. Je pensais avoir une... Bien, toi t'assurais qu'au moment où j'allais me barrer, je pensais avoir une arme de badass là avec ma pointe de cactus. Ah, j'ai l'air bien. Ah, le con. Oh, oh, il est où le camp? Il est loin. Ouais, il est pas si loin. Je vais en retaper un quand même pour peut-être en prendre 2-3. Des pointes de cactus, peut-être regarder. Mais c'est vrai que maintenant que je le dis, je l'avais vu dans des recettes ce truc. Bah, je crois. Mais peut-être regarder ce qu'on peut créer avec. Peut-être qu'on peut le faire ici. Hein. Après tout, je crois qu'on a une machine ici. Donc. Ouais, on a une machine. Alors, ça doit être dans les habits que j'ai vu ça. Ou pas. Peut se faire une petite ah mais c'est cool ça. On peut se faire un petit truc à dragon à côté de la base à l'extérieur. Ah peut-être. Mais non, pas tout de suite. Je vais rester encore un peu. On va s'arrêter là hein, pour cet épisode bien sûr. Alors dans les armes peut-être le truc à cactus. Ah oui, cactus armor. Ah, il en faut 3. 3 une armure. Ah. Ah ouais, t'as faim, ça va. Je m'occupe pas tellement de ça. Ah ok. Mais c'est tout, hein, je pense. Tout de même. Une armure avec des piquants, j'accepte. J'accepte le concept. Alors, avant de vous quitter, bien sûr. Avant de vous quitter. Machette en obsidienne. Pour dire de continuer la collection. Oui, on a dit machette. Ah ouais, bientôt plus de... ah ouais, plus de petits bois. Est-ce que je... ouais, ça va, je peux. Ouais, donc on va devoir sortir, hein, parce que plus de petits bois, bon. Et les cactus, maintenant, j'ai vu... alors, je vais reprendre ça. Je vais me prendre ça sur moi et ça sur moi. Ce sera pas une mauvaise idée. Et donc oui, armure de cactus pour le prochain épisode, on va essayer. On va certainement, je vais certainement rester un peu ici, on verra. Peut-être tuer un peu d'araignées pour le prochain épisode. Essayer de choper 4 toiles. Ah mais c'est une connerie parce que je vais faire ça et j'aurai pas de graines pour... bon, on verra, peut-être que je retournerai à mon camp. Pour aller choper un oiseau. C'est un peu chiant pour revenir ici après. On verra. Si j'arrive à survivre comme ça avec mes arbres à la con. Mais non, ça marchera pas. Ou que le café se réveille. Si j'ai de quoi faire des plats, hein, tout simplement. Et rester un peu plus longtemps dans ce volcan, je resterai. Mais je resterai juste pour refaire... bah, pour faire... qu'est-ce que j'avais dit? Pour me faire ça, la lance, et c'est tout, en fait. La lance et maintenant qu'on a vu, ouais, un truc comme ça. Ah ouais, peut-être 2 cœurs, hein. Peut-être 2 cœurs à choper pour en créer 2 à la surface tout de suite. À voir, ça va me plaire ça. Ça va être un bordel, on va faire notre île avec un bordel, mais ça va être très bien. Bon bah jusque là on s'en sort bien. Je suis plutôt content de moi. Et
Et on verra. Alors, enlève ça. On verra peut-être mon plan pour le prochain épisode. Ah ouais, je voulais faire voir, mais d'aller sur l'autre île. J'avais dit avec la tête de mort au sol, là, voir si on n'a pas la tornade. On a ça sur soi, on a le canon dans le bateau. Voilà, on n'est pas à poil. Hein. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut.